Pourquoi ils ont pas mis des trucs de sauvegarde, bordel? Bonsoir et bienvenue. Oui, j'ai déjà fait le coup de la chanson, mais bref. Pour ce 17ème épisode donc de Donkey Kong Country The Trilogy. Alors oui, je dis bonsoir, il fait jour. Pour une fois, il fait jour, mais en fait, on est en été et le soir, oui, pour une fois, c'est pas la nuit que je fais l'enregistrement. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, donc on va continuer. Donc, la dernière fois, on a eu ces niveaux là dans l'eau, dans les falaises surtout, et également dans les ronces avec un avion immobile. Et du coup, maintenant, on va monter là-haut et c'est Live in the Mines, dans la mine. Encore spécial dédicace à Clément. Mais qui risque d'être déçu parce que j'ai pas l'impression que c'est un niveau avec un chariot minier. Ah, j'ai fait un truc un peu risqué mais ça a marché. Ah bah si, c'est quand même un chariot. Et ouais. Ouh là là. Ok, alors je vais voir comment fonctionne le concept. En tout cas c'est une mine à ciel ouvert cette fois-ci vraiment. Parce que vous pouvez voir, il y a des montagnes derrière et... Montagne à conneries, oui. Je suis de bonne humeur, je commence à jouer, je ne sais pas chanter. Ouais, je sais, c'est con de risquer sa vie pour 10 bananes, mais bon. Allez, on est parti. Alors, je sais pas à quoi ça sert ces trucs, mais on verra bien. Putain, wow. Ah, les guêpes la nuit, déjà c'est pas très réaliste, putain. Oh, putain. Oh, 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 attends là, reviens. Enfin, reviens pas, mais avance quoi. Est-ce qu'on peut se baisser? Non, mais c'était pas la peine. Oh, oh. Oh là, une katané. Bon. Mais qu'est-ce qu'il fait à essayer de choper ses bananes? Ouais, ben je sais, c'est débile, mais ouais, c'est comme ça. On va essayer... Je sais, c'est stupide, mais on va essayer de pas le prendre pour voir. Ah, mais il continue le chariot en fait, non? Je suis curieux et ça va me coûter des vies. C'est pas grave, on va essayer quand même. J'ai l'impression que le chariot continue à descendre après. Alors on va aller voir ça. Alors, donc, on ne prend pas le tonneau et on descend. Mais tout à l'heure, le chariot, il continuait. Enfin, il continuait comme ça, quoi. Pas, enfin, comme ça. Bref. Je sais même pas si c'est en mode miroir ou pas, en fait, l'enregistrement. Bref, on s'en fout et on va continuer à explorer ce... Ah oui, ben non, je risque pas de pouvoir prendre le tonneau puisqu'on est déjà deux. Mais du coup, je sais toujours pas à quoi il sert ce truc là. Ah, mais attendez, c'est ça. C'est que ça a fermé un truc quoi en fait. Ah ouais, du coup, j'aurais l'air bien couillon quoi. Si le chat. Oh, 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 reviens là. Attends. Enfin, reste là quoi. Ouf. Donc lui, on reste en dessous. Mais putain, ça fait deux fois la même connerie. J'ai fait deux fois les mêmes conneries là. Deux fois deux, ça fait quatre. Ouais, bah ouais, en plus c'est ça. Oui, oui, ah bah tiens. Bon, en même temps, la guenon elle me sert un peu à rien puisqu'on peut pas utiliser les cheveux ici pour planer sur un wagonnet. On va faire une chanson pour planer sur un wagonnet. Wow. Bah putain, mais merde! Wow! Ouais. Ah, c'est la merde. Bon, alors on passe dessous, et là. Il y a eu un moment donné, il y avait une guêpe qui venait. Voilà, on va éviter, par contre, il faut éviter. Oh putain! Il y avait le haut là! Et j'avais vu un truc qui bougeait en plus. Thank you.
Bon, jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à faire. En fait, oui, pour ceux qui comprennent pas ce qui se passe là, c'est que quand on fait une roulade ou un truc avec les cheveux, avec la nana, juste avant, et qu'on saute après, une fois qu'on est dans l'air, bah, on peut faire une espèce de saut deuxième chance, en gros, quoi. Putain. Wow, putain. Et on peut même pas faire la queue de cheval ici, hein, même en sautant du wagonnet. Avec la gonzesse. Bon, alors maintenant, du coup, on va essayer de sauter à temps, mais ça a pas marché. Bon, au moins... Oh merde. Merde, il y avait une tonneau avec une croix, putain. Et voilà, j'ai perdu une vie pour rien. Il faut que je fasse 10 fois cette connerie pour gagner une vie. En fait, ça vaut pas le coup, j'arrête de le faire. Voilà, c'est fini. J'ai même pas gagné encore la vie là, entre temps. Ah. Bah, j'en connais un qui adore le son de ses guêpes. Oh, viens là, toi. Ouf. Bon, il faut juste que j'évite encore cette guêpe là et ainsi que l'autre. Voilà. Donc là, il y en aura aussi une à éviter. Non! Oh putain! Mais putain, je suis tombé directement sur le tonneau là avec la croix rouge. Enfin, la croix rouge. Non. Et mes voisins, ils doivent penser que je suis en train d'engueuler quelqu'un là. Mais il est fou ce mec. Bon. À mon avis, ça doit être le problème de pas mal de personnes qui font des vidéos. Et qui gueulent pendant leurs vidéos. Mais bon, c'est la vie. Bon. Là, on va sauter. Voilà. Et là, on va encore sauter. Mais alors, juste un petit saut, putain. Et là par contre on évite. Ah, mais putain, des deux guêpes là. Putain. Et quand je vais sauvegarder, je vais quand je vais aller au point de sauvegarde, oui, justement, je vais sauvegarder aussi la partie, parce que là putain, toutes les vies on va les perdre là si ça continue comme ça. Voilà, encore la guêpe, elle va pas trop lentement. Pas trop vite, je veux dire. C'est après, il faut anticiper, en fait. C'est bon. Ça, c'est quand même piégeux, cette guêpe toute seule, là. Voilà. Et là, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter déjà maintenant. Et je tombe sur le bloc. Putain de merde! Sur le bloc, sur la croix rouge. Bon. Allez, c'est parti. Problème avec ce niveau, je peux pas m'arrêter pour faire vous savez, une interruption de la vidéo, parce que je suis obligé de lâcher la manette dans ce genre de niveau là. Ben, c'est un peu fatal en fait, ça peut être fatal. Et l'autre souci, c'est que je n'ai pas de bouton pour mettre la pause sur ce jeu. Parce que quand j'appuie sur pause, j'arrive pas à l'enlever après, je sais pas pourquoi. Wow! Putain, je parle trop. Ah, ben voilà. Non, putain! Mercredi. Oui, on est lundi. Plus bon, si vous regardez la vidéo mercredi, ce sera juste. J'ai une chance sur 7 que ça se produise en fait. C'est déjà pas mal. J'ai ce réflexe là de gens qui jouent jamais, qui se lèvent pour sauter même. Allez, hop. On va y arriver. Oui.
C'est genre... Mais putain, j'ai oublié cette histoire. Je suis sûr, je suis plus très loin du point de sauvegarde parce qu'on a déjà le K et le O. Non, je ne ferai plus cette blague. Je l'ai déjà fait assez souvent la blague du K et du O. Intéressante, une ambiance intéressante en fait avec ces montagnes la nuit, avec cette espèce d'énorme structure en bois là au milieu de nulle part. Et voilà, au lieu de parler. Hein. Oh putain de merde! Mais putain, c'est quoi ce niveau? Oh putain! Je croyais qu'il y aurait le tonneau là, je sais pas moi, enfin le tonneau de sauvegarde quoi. Je commence à connaître le niveau relativement par cœur. Donc là il y a la guêpe. Et là il faut sauter vraiment tôt. Mais j'ai sauté, putain de merde. Et allez, je retombe sur le... Ah putain, mais allez vous faire cuire un œuf. Ah punaise. Qu'est-ce que c'est chiant quoi. Ouais bah ça commence à devenir un peu long. En fait, le problème de ces niveaux-là, c'est, ouais, comme je dis, on peut pas couper facilement. Ou alors, il faut que je prenne le temps après l'enregistrement de couper et blabla. Mais honnêtement, j'ai un peu la flemme. Ou alors, ouais, au pire des cas, je le ferai, quoi. Mais je noterai, je me mémoriserai à quel moment je coupe la vidéo. On est quand même déjà à 12 minutes, là, donc on va peut-être pas non plus éterniser cette vidéo là-dessus. Ouf, putain. Ouf. Bon, ça c'est pas grave. Yep. Toujours pas de... Mais putain, mais... Oh, mais il fallait passer dessous. Il fallait passer dessous. Et putain, finalement, il fallait peut-être passer en dessous au début aussi avec cette libellule là. Répétitif un peu cette histoire là. Oh putain, c'était quoi ce truc? Merde. Pas siffler et râler en même temps, c'est pas possible. En fait, faut juste que je réussisse à passer cet endroit là où il y avait le haut, ce saut anticipé qu'il faut faire, suivi d'un autre saut anticipé. Et là, après, une fois que ça s'est fait, en fait, c'est bon quoi. Ça a l'air aussi simple comme ça sur le texte, mais... Bon là, j'ai jamais fait avoir, je crois. Là, il suffit de pas sauter. Là, il suffit de sauter assez tôt, voilà. Et ben là, il suffit... Putain de merde, je vous jure, ça va me péter les couilles, cette histoire. Pardon. Et on va rester en bas. Non, c'était pas une bonne idée de rester en bas. Mais je comprends pas ce qu'il faut faire, putain. Mais ici, il faut passer en haut, du coup. Mais ça veut dire que... Putain, ça veut dire que la fin du niveau, elle est loin, merde, putain, mais c'est...
Oh, fais chier quoi. Enfin, la fin là. Oh putain. Ça va finir en épisode à un niveau. Ça continue comme ça. Donc là on saute maintenant. Mais putain, j'ai sauté. Allez vous faire foutre. Oh. Ouais, c'est ça. Putain. Bon, il y avait un raccourci pour suspendre. Je crois que c'était F9. On va quand même essayer de faire ça comme ça. Putain. Galère ce niveau là. Ouais, putain, c'est la merde. Oh putain! Non! Ah merde, non, non! Putain, mais pourquoi ils ont pas mis de truc de sauvegarde, bordel! Putain de bordel de merde. C'est quoi cette guêpe là qui fait des zigzags? Non! Non! Ce niveau est horrible! Oh putain! Putain! Oh putain, c'est le pire, un des pires niveaux que j'ai vu de ma vie, sans déconner quoi, putain! Putain! Oh putain! Ouais, à mon avis, c'est pas fini. Ouais, bah voilà, c'était ce que j'imaginais. Bon, au moins, on a la sauvegarde. Oh, elle est soulagée. Putain. Oh, putain. Bon. J'aurais dû peut-être... Ah, merde. Mais comment vous voulez faire ça? Ah, putain, mais oui, il faut faire le truc, là, l'un sur l'autre. Bon, ben, on va le faire. Putain, il faut tracer pour faire ça. Ok. Oulala, là là, mais il faut pas traîner en fait. Ah bah c'est foutu. Ah putain. Eh ben c'était vraiment, là honnêtement c'est, on arrive au niveau supérieur de la complexitude de la... Ah putain, j'ai envie de dire des conneries, je ferais mieux de... Bon, moi on est arrivé là maintenant. Bon, vous remarquerez que les vies là que j'ai, elles sont pas très réalistes parce que tout simplement, bah quand je suis arrivé à... Merde!
Merde! Ah non, si. Ah merde. Bref, quand je suis arrivé à 26 vies ou je sais pas quoi là, c'était. Ouais, quand je suis arrivé à 26 vies, bah j'ai recommencé tout simplement en fait. Parce que bon, après tout, la sauvegarde, je me faisais également commencer au début du niveau. Donc ça servait à rien de continuer avec si peu de vie. Enfin, si peu. Putain, c'est. Fallait y penser quand même à ces idées là, hein, moi je dis. La lampe me permet en fait de. Non, alors là, faut que je récupère toutes les lettres parce que je veux pas refaire ce niveau. Alors, en attendant, j'ai toujours pas trouvé le. Oh putain. J'ai toujours pas trouvé la lettre DK et. Enfin, ni le bonus, donc. Je sens que la condamnation à refaire ce niveau s'approche méchamment. Oh, putain de bordel! Oh! Oh putain! Enculé de con. Oh enfin. Je sais pas où il est ce truc là. Le niveau bonus en fait, j'en ai aucune idée où il peut être. Putain, du coup là, c'est pas non plus la meilleure composition de groupe là. Allez, bouge-toi, 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 bouge-toi. J'en étais sûr! La banane! La banane! J'en étais sûr! En fait, le truc, c'est que je me suis dit, bon, de toute façon, je vais crever, je vais essayer de voir si ça peut nous mener quelque part. Oh putain! J'ai ce bruit. Oh putain! Ouais, on laisse tomber. Merde! Putain, j'espère que je vais pouvoir retourner à ce niveau bonus. C'était où en fait? C'était là, non? C'était pas là, mais c'est pas grave. On va retourner, on va le refaire. Putain! Quand même, hein. C'est sournois d'avoir mis le niveau bonus là. Mais bon, il y avait une banane quand même pour le dire qu'il y avait un niveau bonus, j'avoue. J'ai trouvé ça quand même suspect, ouais. Allez, on va se jeter là-dedans. Dans la gueule du loup. Putain, j'ai cru que j'allais tomber à côté. Bon, en attendant, il va falloir traîner. Oui, putain, il n'y a pas seulement le temps, il y a aussi. Ah, putain. C'était où c'était... Pff, non, mais sérieux, quoi! N'importe quoi. Oh. Ouais, on va faire une coupure. Hein. Après le niveau bonus. Ouais. Après avoir gagné le niveau bonus, et que si je crève encore une fois, par exemple, bah on va pas refaire tout le. Eh hey, merde! Bon, on fait la coupure jusqu'au niveau bonus finalement. Et la souris. Voilà, je vous ai téléporté entre guillemets jusqu'à ça. On va essayer de faire un peu mieux ce coup-là. Parfait. Allez, maintenant on va gérer. Hein. Mais putain, je comprends pas. Tout à l'heure, le coffre, il a. Alors le coffre il a suffi à détruire ce machin. Enfin justement. Ah merde. Ah bah si. Bon, bah je croyais que j'allais tomber en fait. On va faire une coupure encore une fois dans le niveau bonus quand même. Si on va faire la coupure. Ouais non, allez, encore un coup et après. Si ça marche pas, ça marche pas. Putain, le seul niveau bonus caché comme ça. Putain. Yeah.
Mais oh, mais sérieux quoi, mais c'est pas possible. Allez, on pause. Bah désolé, j'ai pas remis la... J'ai eu le jeton du coup, mais après vous avez rien raté en fait. Hein. C'était juste... Ouais, il y avait juste encore un autre couillon là qui courait dans tous les sens, qu'il fallait détruire avec une caisse. Et avec. En fait, il y avait un petit piège dans le sens qu'ils ont mis un bonhomme comme lui là, une caisse TNT. Donc un mec qui réfléchirait pas, bah il aurait pris la caisse TNT, il aurait explosé le mec à ressort et il se retrouverait comme un con à pas pouvoir détruire l'autre couillon. Ouais bon. C'est la bombarde, c'est la guerre ici. Ouais. Ah putain, mais c'est pas vrai ça. Oh, pause, coupure. Ouais, j'ai failli crever pour remettre play. Bon, j'ai perdu un bonhomme, un singe, mais bon, c'est pas... Non ! Non, il y avait le truc là. Désolé, je me suicide. Désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai pas envie de retourner dans ce putain de niveau. A de suite. Voilà. Bon, j'en ai rien à foutre. Bon, j'avais le tonneau au moins, mais bon, bref. Ah putain. Bon, ben si, j'en avais à foutre. A de suite. Oh putain. Bon. On pense au jeton. Bon bah ça aurait été un sacrifice. Non, non, non. Ouf. Ouais, un demi-sacrifice. Parce que... Bon, c'était quand même un sacrifice, mais ça valait le coup. Il nous manque que la lettre G. Et après, on pourra finir ce niveau et jamais plus foutre les pieds là-dedans. Je suis calme. Allez. Bon, oui, on fait la coupure. Oh, putain, juste pour l'enregistrement de cette merde. J'ai... Non, 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 non. Je ne veux pas sortir de ce putain de niveau sans la pièce G. J'en ai rien à foutre. Je ne veux pas sortir de ce niveau sans la pièce G. Elle est là-bas. Ok, ben on recommence. Putain, je sais même pas comment faire pour... Oh, je sens que je vais rater la sortie. Bon, allez, soyons positifs, on va y arriver. Allez, dernière partie du niveau. On va y arriver. C'est bien compliqué. Oh. Putain de merde, merde, fais chier. Oh. Bon, en gros, il faut réussir à sauter par-dessus la banane et aller au G. Et c'est parti. Et merde. Et casse-toi, putain, et vas-y, me fais salut, là, et tout, connard. Mais comment vous voulez faire ça? Putain, il faut que je refasse tout ce niveau de merde, maintenant. Putain, mais merde. Non, 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 c'est pas possible, ça, c'est pas putain de possible. Non, sans déconner, quoi, c'est le pire niveau, putain. Mais putain, j'ai tout quoi, j'ai tout sauf la lettre G, merde, putain de putain. Ça me fait chier, mais tellement chier, putain. Drum, dum, drum, là, je sais pas quoi, là, qu'est-ce qu'il me veut, lui, putain. Oh, putain, et ça m'a l'air encore un truc de merde, ça aussi. Faut faire avec ça encore, putain. Des rats. C'est les rats. Mais merde, et je fais quoi là avec ça? Oh putain, mais va te faire foutre, putain. Ah, je vous jure, c'est pas ma journée, hein. Un niveau là impossible là, et en plus ils te font un troll, le genre le truc c'est pire que de perdre une vie parce que t'es obligé de refaire tout le niveau à chaque fois que tu te loupes en fait. Ah, mais va te faire foutre, putain. Mais comment on fait ça aussi là? En fait il a pas l'air si compliqué que ça celui là en fait. Putain.
Et merde, mais je sais même pas ce que... Mais je l'ai même pas eu ce couillon. Ah, ces insectes à la con, putain! Bah, je vous dis tout de suite, je sais même pas si je vais terminer le niveau là, hein. C'est le boss là, parce que. À mon avis, j'ai besoin de vacances. Là, honnêtement, c'est bon quoi. Le niveau tout à l'heure là, la mine à ciel ouvert, putain, c'est bien le pire truc que j'ai pu voir quoi. Tiens, prends ça, connard. Moi c'est cool, les rails disparaissent. Bon, je sais même pas si je l'ai eu du coup là. Des crocodiles maintenant. Allez, c'est passé. Ah, je l'ai pas eu, fait chier. Ça lui a rien fait quoi en fait. En fait. Ah ouais, c'est pas con ça, il faut partir par derrière. Ouh, il a un mouvement là qui me plaît pas là. Ah, ils changent de sens. Ah, et putain, voilà, du coup, c'est... Mais ils font quoi, eux, là? Et ils tournent en rond, là, les couillons. Ah, putain, mais c'est pas vrai. Cette merde, ça m'a explosé le... Mon tonneau. TNT. Voilà, au moins on est déjà bon. C'est devenu de plus en plus merdique là. Là, il va nous envoyer quoi là, les machins qui. J'essaie encore un dernier coup, et après c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Tant pis, on restera sur un échec et dans 2 semaines ou plus, on essaiera de le battre. Mais on va essayer encore un coup quand même. Ouais, il faudrait quand même que j'aille récupérer le tonneau, ça serait pas mal aussi. Voilà. Et deux. Qu'il reste pas les rats après, hein, parce que ça va être le bordel. Bon, c'est pas le pire boss, honnêtement, je trouve. Pour être vraiment objectif, c'est pas le pire boss. Hein. Honnêtement, l'autre là, avec son espèce de truc de bois, la putain qui. Son gourdin là, et voilà, je dis ça et je. Ah, le con avec son gourdin et, ses orages derrière là dans le temple, il m'avait plus fait chier honnêtement là. Là, je suis juste énervé parce que je sors d'un niveau à la con. La mine à ciel ouvert là. Putain. Tiens. Oh putain, ça lui a rien fait, chier. Et t'es content, hein, truc pirate ou je sais pas quoi là. En fait, elle me sert à quoi cette corde finalement? À faire chier avec son bruit là. Oui, je suis une humeur massacrante. Mais putain, je l'ai. Eh, va te faire foutre. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé me faire démolir dans une mine à ciel ouvert, la con. Et dédicace à Clément. Ciao, ciao, bonne soirée.